ça devient quand même une belle masse, hein. 31. Non mais il n'en tue aucun. Il n'en tue aucun. Il y en a à peine un qui est un peu blessé, quoi. Tout ça pour ça. Liri doit se dire, mais putain, c'est quoi cette unité de merde? Ça peut pas viser les mecs. C'est vraiment une unité de merde. Enfin, vu comme ça, oui. Mais ouais, je pense que comme tu dis, contre des Britons ou des Sivarchés, ça doit être bien plus fort, mais... C'est très... Mais là, là, mais là c'est échec critique. Ah oui, là, pour le coup, ça fait... Bah il y en a pas un qui meurt. Il n'y en a pas un qui meurt. Regarde, il n'y a pas un cadavre. Il y a zéro cadavre. Oh, c'est foutu, là. Oh là là là. Mais la game, mais franchement, quoi. Ah non, mais mais je tire et je tue pas. C'est pas normal. Et là, je crois que Draken, il a compris. Bah ouais. Il a compris. Il se dit, mais c'est de la merde. Et mais en fait... mais en fait, je lui rentre dans le marc. Bah voilà, c'est ça, quoi. Regarde, regarde à quelle vitesse ça tombe, là. Téglic, 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 téglic. Ouais, parce qu'en plus, les hussards, c'est pas non plus l'unité qui a le plus gros DPS, quoi. Non. Bon, après, il y a quand même une grosse masse en face, donc à force, les hussards, ils tombent. Mais ils coûtent pas cher, et ça coûte très bien, quoi, les hussards. Quand là, les chariots coûtent quand même assez cher, je pense. Et ils sont produits plus vite que les... Ah, Liri, il en a vraiment rien à foutre, hein. Il a des villageois inoccupés à gauche et à droite. Il a personne sur la bouffe. Il en a 27 sur le bois, 8 sur la gold, et c'est tout, quoi. Ce all-in, quoi. Mais ils sont même pas élites, quoi. Oh là là, mais c'est du mime, hein, les gars, c'est du mime. Ce all-in économique. Est-ce que c'est une masse tapis? J'aimerais bien voir. Ah, contre le château. Contre un bâtiment, en fait. Eh ben, ça fait pas grand-chose, hein. C'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, hein. C'est de la merde. Ça ne sert à rien. Bon, lentement, mais sûrement, peut-être. Est-ce qu'il va prendre le château? Ouais, bah eux, ils arrivent, ils vont les prendre dans l'art et par derrière. Et... Alors, ça va être le moment suspense du match. Voilà. Mais voilà. Non, mais il a pas assez. Voilà à quoi on est réduit. Il a pas assez, Draken. Non, malheureusement, mais en fait, il a trop massé Lyrie. Il a massé celui de merde. M'en fous, je vais gagner avec ça. Il est fait 3 par 3. Il a personne à la bouffe. Mais comment il s'en branle, quoi. Le mec, il a 40 de bouffe. C'est la famine chez lui. Il fait m'en fous. J'ai des tanks, moi. Allez, mange. Il aurait pu attaquer ça plus tôt quand même. Oh putain. Ah mais c'est de game, quoi. Je crois que la map awareness est très limitée, hein, parce que ça a pas une très bonne vision. Regarde, c'est ridicule. Ah, c'est... Et il est toujours occupé sur ce château. Ah putain, il ne tombe pas. Mais non, mais ça peut pas mourir un château face à ça. Par contre, je pense qu'il faut pas splitter les unités de merde parce que sinon ça va être compliqué. Hein. Ah oui, mais eux ils sont morts là, tu vois. Ouais, ils sont morts. Faut avoir la masse. Après, il les sort 3 par 3, quoi. Faut la masse critique de 30 à 40 et ils doivent rester tous ensemble. Mais ce petit depuis tout à l'heure, il a 40 de bouffe. La gueule impériale... qui n'a aucun sens. L'âge impérial, c'est pour les lopettes. L'âge impérial, non. Et Draken va chercher un peu tard en penage pour améliorer son château. Pourquoi il cherche en penage? Mais pour que les châteaux fassent plus de dégâts. Ah ouais, ouais. Mais ça doit être hyper résistant aux flèches, quoi. Ah bah bravo. Je me suis fait peur tout seul. Et regarde, ils ont plus beaucoup de PV, hein. Oh là là, mais c'est armé. C'est Napoléon qui revient de Russie, ça. Il a 25 paysans sur le bois, 17 sur la gueule, et rien à la bouffe, quoi. Ils peuvent crever. Il y a même pas un camp de bûcherons aussi. Il y a même pas un camp de bûcherons. Ah, mais comment il s'en bat les couilles. Là, il fait m'en fous. J'ai gagné avec ça. Et il est toujours sur ce château-là. Hein. Oh, putain. Je crois que Draken n'a jamais envoyé un seul villageois pour le réparer. Hein. Ah là 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 là. Ce château ne tombera pas. C'est qu'il n'a aucun sens. Oh là là, mais c'est juste nul, là. Non, dis pas ça. Dis pas c'est nul. Dis, c'était pas ce que t'attendais. Je m'attendais un peu mieux, quand même. Un peu plus de diversité, mais là, c'est... Aïe, aïe, aïe. Bon, mais ça prend du temps à mourir, quand même. Bah, honnêtement, Draken, qu'est-ce qu'il fout? Est-ce que Draken ne se rend pas compte que Liri a zéro étoile? Mais il a rien. Il a tellement rien. T'as des unités hyper mobiles. En voisant un ou deux, ça c'est hyper exposé. Là c'est exposé. Il faut que dalle. Mais j'en peux plus.
Mais le mec, je suis sûr, il joue avec une main dans le slimard. Et là, il appuie sur la touche pour faire ses tanks. Et c'est tout, quoi. Et puis tout à l'heure, on le voit échanger pour faire d'autres tanks, et c'est tout. Oh mon dieu. Et là, ah, franchement, le graphique économique à la fin, c'est de te mourir de rire. Mais Draken, je crois qu'il est intimidé. Il se dit, en face de moi, c'est Liri. Il ose pas s'imaginer. En plus, Liri avait un meilleur score que lui il y a pas longtemps. Il a dû se dire. Ah, ça y est, il bouge, les paysans. Merde, Liri, il gère. Il doit avoir des coups de fou. Il doit avoir une économie de malade. Rien du tout. Mec. Oh là là. Oh putain. Ah, mais non, mais là, ça commence à faire mal aux yeux. Draken, si tu perds face à ça, je suis dégoûté, quoi. Parce que les mecs, ils ont. Ils foutent rien. Zéro vie, le jour. Ah, je vais mourir. Draken, pourquoi tu passes toujours pas à l'âge impérial? Oh putain. Là, tu sors pour un forum, il y a un château. Et on a vu qu'il a mis 1000 ans à détruire un château. Il fait un raid avec des tanks. Il fait un raid bail avec des tanks, quoi. Mon dieu, mais... Attaque. Va là-bas. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait, Liri? Mais non. Ah, mais j'en peux plus. C'est quoi cette guerre? Et il arrive pas à masser les hussards. Parce que les hussards arrivent à contrer les tanks, mais il arrive pas à en masser assez. tu vois 15 balles, y'a pas un mort. Et regarde... Par contre, face au villageois, ça fait un peu... Mais il y en a aucun qui meurt. Oh putain. On a il faut plus rien. On a des balaisons et moi on a tellement PLS, il y a mon chien qui vient nous réconforter. Ah mais non, mais Draken fait quelque chose, quoi. C'est pas possible de perdre comme ça face à un mec. C'est même pas voilà de l'autre côté. Voilà, si vous voulez savoir pourquoi on commande des ronquettes, c'est parce que ça on le voit pas en tournoi, quoi. Oui, le chien. C'est mon chien, il est pas content. En fait, elle arrive pas à comprendre qu'on rigole, elle croit qu'on pleure. Elle vient nous réconforter. Oui, menez nous, c'est bien ma chérie, bravo bébé. Oh là là, l'amour d'un chien, mais... Mais c'est... Oh, mais la quantité de tanks. Ah bah, c'est, en fait, c'est ça, hein, c'est... Mais je comprends pas, tu vois, Liri, il a fait Fast Castle, hyper open, zéro écho derrière, et il fait que des tanks. Et Draken, je veux dire, tu boumais, tu sortais des Magyar-Hussard, et tu gagnais, quoi. Il a été apeuré par... Il a dit, oui, c'est Liri en face, j'ai peur, j'ose pas... Et maintenant ils ont chemistry, donc ils font des boulets de feu, tu vois. peut-être sur des dégâts, quoi. Voilà, on va voir. Est-ce que ça fait des dégâts? Vas-y, sur le compte mineur, là. Vas-y, tire. Non, d'accord. T'as pas envie. Et il construit un château là. Liri, je dis, bah, si c'est comme ça, je vais venir prendre ton or chez toi. Bah, les couilles, quoi. Mais regarde-moi, c'est pas possible. T'as même des villageois qui foutent rien. Ça n'a pas de sens, quoi. C'est quoi cette game? Il suffirait d'un. Ah, il va murer derrière. Oh, magnifique. Ça fait un an. Ça fait un an qu'il aurait pu venir ici avec des Magyar-Hussards. Là, Liri, il est en train de se dire, non, mais je vais gagner, en fait. Parce que. Mais je vais y arriver. J'ai fait de la merde. Honnêtement, il y a un moment. En termes d'écho. En fait, le truc après, c'est que si Liri, il perd sa masse de tank sur un fight. Il va pas pouvoir reprod aussi vite que Draken, parce que Draken il a l'écho derrière. Mais regarde-moi cette masse. Et là il arrive droit dans l'écho. Alors qu'est-ce que ça donne comme dégâts ici? Bra. Un villageois. Ouais, c'est un peu ça, oui. Ah, ça va être la fight. Oui, on en a. Et le fight. On en a 30 Magyar-Hussards contre 43 chariots. 43 tanks. 43 tanks. Et let's go. Ça me fait penser Let's go, c'est la charge des Rurim, là. Ça me fait penser à la charge historique, enfin, je sais pas si elle est vraie ou fausse, mais que les Polonais auraient chargé, auraient fait la dernière charge de cavalerie de l'histoire face à des tanks allemands. Ah bah là. Regarde, hey, il a réussi à circle. Et là, Liri va tout perdre et adieu le cheese, quoi. Regarde tous les tanks qui sont morts. Oh la vache. Ah, oh, mais c'est moche.
Mais oh la vache! Que Nieris soit resté si longtemps en vie dans ce jeu, c'est juste pas possible! Bah, avec 42 bouffes depuis 1000 ans, quoi! Mais oui, mais c'est complètement dingue! Oh là voilà. Là! Il voulait tester, il a testé! Il a failli gagner, hein! Mais il y avait tellement moyen non, pour Draken de faire des dégâts avant! En vrai, à aucun moment il gagnait, quoi! Bah, quand tu commites comme ça sur une strat, enfin. Un château ici pour Draken, enfin. Le temps de détruire un château, le temps que Lyrie détruise un château, Draken est leur construit. Il les fait toujours 3x3, il en a encore 21, il va aller jusqu'au bout du game. il va rien lâcher. Ça y est, il s'est enfin débarrassé de tous ses hussards. Ouais, mais bon. Mais voilà. Il n'y a plus que 11... 11 hussards, ouais. Qu'est-ce qu'il nous fait tu as Draken, je crois qu'il veut aller à l'âge impérial, mais il a pas l'écho, hein. Et surtout, bon, ça coûte à vous. GG, ouais, voilà. Ah, GG, enfin. J'en pouvais plus. Fais voir les graphiques parce que là, ça doit être drôle. Voilà, attends, on va me diviser les deux, rien pour voir. Split. Ok. Mon dieu, ah, quoi. Putain. Ah, c'est brutal. Ah, mais voilà, tu vois. Mais regarde l'économie. Ah, l'économie. Attends, y a pas moyen de voir la bouffe récoltée. Mais t'as 5000 de bouffe. Mais c'est quoi cette game? J'en veux plus. Pour 20 000 de bouffe. Et la PM de malade, il y a rien. Et qui dit, oh vas-y, faut que je micro mes tanks. Et il a micro ce tank. Normalement, il est monté à 230. Incroyable. Et oh là là, mais Draken aurait pu gagner beaucoup plus vite, hein. Mais je crois que, un, il savait pas ce que c'était comme unité. Bah, il savait pas. Non, il savait pas. Connaissait pas la cif, quoi. Il connaît pas la cif, tu connais pas l'unité. Évidemment que t'as la frousse. Et puis tu te dis, ah, c'est Lyrie en face, merde, quoi. Ouais, voilà, mais Lyrie, il avait 42 bouffes depuis l'âge du château, il en avait rien à foutre, quoi. Il avait juste le nombre de villageois requis pour miner de l'or et bûcher du bois, et c'était bon. Ah, putain. Ah, mais la game. Alors, il m'a semblé avoir vu que Lyrie jouait les Polonais une game juste avant. En ranked aussi. Je crois qu'on va tester ça. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben on se dit à tout de suite. Allez, à tout de suite. Attends, moi je vais boire un verre d'eau parce que je cherche qui au bout, moi. À tout de suite pour la prochaine game avec Guiri qui teste les Polonais. À tout de suite.